Hello tout le monde, donc bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi. Aujourd'hui, je commence un nouveau vlog pour les prochains jours, mais honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air les prochains jours, en tout cas, tout ce vlog-là. Je vous dirais que je suis dans une passe un peu comme bizarre, un peu intérieurement. Je me sens beaucoup surstimulée. Je me sens vraiment. Puis tu sais, j'écoutais les vlogs de. Comment qu'elle s'appelle? La Journey, là. Journey and Burfan. Puis je trouve vraiment. Je me ressens vraiment comme elle en ce moment. Genre, je me sens un peu tout le temps comme un peu sur le bord de craquer, un peu sur le bord de exploser, genre. Parce que il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie, puis il y a beaucoup de choses que je peux pas vous parler parce que c'est comme. C'est des choses que je peux juste pas comme vous parler. Puis, tu sais, ça n'a pas toujours rapport avec moi non plus. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je peux pas juste vous dire. Mais honnêtement, je trouve ça quand même vraiment difficile. J'ai l'impression de. Comment je pourrais dire? J'ai l'impression de toujours être là pour tout le monde. Puis que personne n'est là, genre, pour moi. Pour me demander, genre, comment ça va, genre. Je sais pas. On dirait que je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Puis là, d'en parler, on dirait que c'est encore plus difficile parce que je veux pas non plus avoir de la pitié, là. Tu sais, je veux pas ça. Mais je me sens comme si, genre, il y avait beaucoup de choses qui se passent en ce moment partout. Puis que tout le monde est comme en train de faire un peu comme tomber dans un creux, genre, partout autour de moi. Genre, je trouve ça vraiment difficile de voir ça. Famille pour famille, là. Tu sais, genre, j'ai l'impression que tout le monde trouve ça vraiment rushant ces temps-ci. Puis, tu sais, moi, honnêtement, quand j'écoutais la vidéo de elle, justement, je pensais à ça, puis j'étais comme, mais c'est donc ben fou comment que, pour l'instant, 2024, c'est pas, genre, la baisse des années, genre. Puis, tu sais, j'avais full un mindset positif. Puis, tu sais, j'avais full d'accomplissements que je voulais accomplir cette année. Puis, j'étais bien partie, puis on dirait que depuis comme quelques jours, on dirait que j'ai l'impression que je me mets énormément de pression sur tout et sur rien dans le fond, tu sais, parce que ça sert à rien d'en mettre la pression autant comme ça, comment je m'en mets sur mes épaules. Puis je me dis, oups, la petite brosse, vous voyez la petite brosse qui sort. Puis je me dis, tu sais, est-ce que je vais me rendre à la fin de la 2024? Genre, je suis comme vraiment au bout, là, on dirait, là. Puis tu sais, pas au bout de genre dépression, là, tu sais, je suis vraiment pas de même. Mais je me sens juste comme vidée d'énergie, genre. Puis j'essaie d'en avoir le plus possible. J'essaie de bien m'alimenter. J'essaie de, continuer, évidemment, m'entraîner, mais me bouger, là, parce que j'aime mieux dire bouger que m'entraîner. Bouger, ça va super bien, mais ça me fait vraiment du bien. Une chance que c'est là, ces temps-ci, genre, on dirait que tous les jours que je m'entraîne, je sors toute ma frustration, mon anxiété, mon stress dans l'entraînement, puis ça me fait vraiment, vraiment du bien. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme beaucoup de pression. On dirait que je veux être parfaite partout. Je veux, tu sais, que ma chaîne YouTube fonctionne. Tu sais, je veux que ça fonctionne. Je veux que ça soit comme un. Je sais pas. Puis j'ai l'impression que ces temps-ci, mes vidéos pognent pas vraiment. Pas dans le sens que, comme, tu sais, je veux être populaire et tout. Genre, moi, je m'en fous, là. Je veux pas vraiment être populaire. Mais j'ai comme l'impression que. J'ai l'impression que ces temps-ci, je fais des vidéos un peu pour rien. Je sais pas. On dirait que j'ai pas l'impression d'avancer côté YouTube. Fait que. Si jamais vous voulez m'encourager un peu, genre juste de me dire en commentaire que vous aimez m'écouter, parce que j'ai pas l'impression ces temps-ci que je. À part comme 5-6 personnes qui commentent toujours mes vlogs, j'ai pas l'impression que mes vidéos servent à quelqu'un. J'ai l'impression de travailler un peu dans le vide, de faire autant d'efforts pour ma chaîne. Tu sais, honnêtement, j'ai posté aux 2 jours, si c'est pas plus, parfois pendant le mois de janvier, genre, puis le mois d'octobre, j'ai fait, tu sais, au mois d'octobre, j'ai posté à tous les jours, au mois de novembre, aux 2 jours, 3 jours maximum, au mois de décembre, j'ai posté à chaque jour, puis là, au mois de janvier, j'ai posté genre aux 2 jours maximum, là, genre, des fois, je faisais des 2, 3 jours collés, puis j'ai quand même l'impression que c'est pas l'idéal, genre. Je sais pas, j'ai pas l'impression que les gens. J'ai l'impression que les gens se lassent de moi, genre. Je sais pas comment le dire. Je sais que je veux pas avoir l'air négatif et faire la victime, là. Je veux vraiment pas être comme ça. Mais c'est ça. J'ai comme l'impression que je travaille dans le vide. Fait que juste me.
Je veux pas dire, genre, écrivez-moi dans les commentaires si vous m'aimez, genre, c'est pas ça que je veux. Je veux juste, comme, comprendre, juste, comme, savoir si vous êtes encore là, si ça vous intéresse encore que je fasse des vlogs, si ce que je fais vous intéresse encore, parce que, tu sais, ces temps-ci, j'ai mis beaucoup de hauls d'épicerie, hauls de vêtements, hauls de ci, hauls de ça. Puis je sais que les gens aiment ça, mais en même temps, j'ai l'impression que, à part de ça, j'ai rien fait sur ma chaîne YouTube dans les derniers jours. Tu sais, je me trompe, la dernière semaine et demie, mettons. Puis j'ai l'impression que ça me pèse. J'ai l'impression de ne pas être proche de vous. Moi, j'aime ça quand on discute de grosses discussions, qu'on parle de sujets, pas juste de faire des hauls. Tu sais, c'est pas juste ça que j'aime de ma chaîne YouTube, c'est de tout autour de ça, tu sais, entre vous et moi, tu sais. Quand on a des belles discussions, puis quand que. Tu sais, j'aime ça aussi parler de choses un peu comme. C'est par rapport comme quelle sauce est-ce que vous avez mis la sauce à salade ou la mayo? Parce qu'on a eu vraiment beaucoup de gens qui ont commenté en dessous de cette vidéo-là juste pour me dire quel thème y était plus. Puis tu sais, c'était vraiment fun, tu sais, j'ai aimé ça, mais j'aime aussi qu'on parle de sujets un peu plus profonds. Fait qu'on dirait que comme j'aimerais ça arrêter de me mettre la pression à essayer de comme être parfaite sur YouTube puis juste comme faire ce que j'ai envie de faire, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça va être ça. Je vais essayer de mettre un peu moins de pression par rapport à ça. Sinon, un autre truc aussi, c'est t'sais, ma maison. T'sais, j'ai tellement de pression par rapport à ça ces temps-ci aussi parce que je me dis, genre, je vais jamais être rentrée dans une maison. Genre, ça coûte tellement cher. Tout coûte tellement cher, c'est l'enfer. Genre, je réussis. À chaque mois, je me dis, bon, ce mois-ci, je vais mettre de l'argent de côté. Bon, cette fois-ci, je. Puis, tu sais, on fait rien, là. Je veux dire, on fait même pas d'activité avec les enfants parce que ça coûte tellement cher. On essaie de garder ça, genre, pour des moments plus spéciaux, genre l'été pendant nos vacances. Ça aussi, c'est une autre raison, les vacances, je vais vous en reparler. Tu sais, on fait pas d'activité, on va pas, genre, on fume pas, on boit pas d'alcool, genre, jamais. On fait rien, puis comme on réussit même pas à mettre de l'argent de côté, genre, mais ou on réussit, mais comme minime, genre, vraiment pas beaucoup. Puis à chaque mois, je me dis, bon, ce mois-ci, c'est le bon, ce mois-ci, c'est le bon, on va commencer, puis tout, puis tu sais, je veux dire, si on commence pas à quelque part, tu sais, c'est quand qu'on va commencer, c'est quand qu'on va réussir à vivre notre rêve, là, tu sais, d'avoir notre maison, tu sais. C'est pas juste d'avoir une maison pour comme oh moi j'ai une maison. Non, c'est pas ça, c'est juste pour qu'on soit bien genre dans notre famille et tout, qu'on puisse avoir comme une cour, faire des feux l'été, tu sais, en profiter, juste comme être bien à la maison puis de pas toujours être pogné dans un 5,5, tu sais. Je trouve ça vraiment difficile, même si notre 5,5 est grand là, tu sais, on est capable d'être bien puis tout, mais tu sais, je trouve ça vraiment difficile ça aussi. Ça me stresse beaucoup. Sinon, un autre des choses, encore une fois, les vacances, comme je vous ai dit, ben les vacances, c'est de la grosse merde, là. Genre, mon chum n'a pas de vacances pendant 2 ans. Puis c'est pas parce que, genre, il peut pas avoir de vacances, c'est juste. Puis c'est pas parce qu'il a changé de job, je veux dire, c'est juste qu'il a changé de boss, puis comme, ils n'ont pas de vacances. Fait que, tu sais, on n'a plus de moments en famille pendant, comme, les 2 prochaines années, genre, dans 2 ans, on va avoir des vacances en famille durant au moins 1 semaine. Tu sais, je trouve ça vraiment difficile la semaine de relâche, mais ma mère, elle part en vacances la semaine d'après. Fait qu'on n'a pas de journée de la semaine de relâche ensemble non plus. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choses comme ça que je trouve vraiment difficile. La fertilité, il faut que j'appelle en fertilité, genre, dans les prochains mois, mais en même temps, côté argent et tout, c'est pas l'idéal pour le moment. Mais je sais que comme je veux vraiment y aller, parce que je veux vraiment pas repousser ce projet-là, je trouve ça vraiment difficile. Puis aussi, ça me fait vraiment peur d'embarquer dans ce projet-là. Parce qu'il faut que je prenne congé ici, mais comme je peux pas m'en aller comme ça, ma mère, elle a pas de remplaçante en ce moment. Faudrait qu'elle se trouve une remplaçante, c'est sûr, mais tu sais, je veux pas y infliger ça non plus. Fait que je trouve ça vraiment difficile. Parce que, c'est ça. Tu sais, parce que la journée que je vais avoir des rendez-vous, je vais essayer de les avoir le plus possible par téléphone, mais tu sais, je peux pas tout le temps. En tout cas. Fait que là, je vais aller réveiller les amis pour la garderie. Puis nous, on va se reparler plus tard, là, je sais pas trop. Je me sens un peu comme overwhelmed ces temps-ci. Dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez comme ça. J'ai l'impression qu'on est plusieurs. Bon, fait que on est rendu mardi soir. Non, pas mardi soir. Jeudi soir. Ça a été encore une journée pas trop facile, honnêtement. Ça fait comme 2 jours que je file comme so-so. En tout cas, vous savez pourquoi, là, je vous en ai parlé au début du vlog. Mais, ouais. Fait que je trouve ça quand même difficile ce temps-ci, côté anxiété, côté. Pression côté tout. Mais bon, je vais m'en sortir.
Je pensais que quelqu'un s'en venait. Je vais m'en sortir, mais en plus de ça, aujourd'hui, j'étais vraiment comme désemparée. J'ai écrit genre à plein de youtubeurs, youtubeuses pour savoir, dans le fond, parce que pour être monétisée, il faut quand même que tu envoies une preuve d'identité et tout. Puis un coup que t'as atteint comme le seuil de paiement, genre. Puis là, moi, j'ai atteint le seuil de paiement. Puis, ben finalement, je m'avais comme trompée de type de compte. J'avais mis un compte entreprise alors que je suis un compte personnel. Je savais pas. Tu sais, il y a comme aucune indication. Ben, il y a quand même des indications, mais je veux dire, je savais pas c'était quoi la différence quand que je l'ai choisi. Fait que là, excusez, il y a les Canadiens. Mais mon chum, il écoute le Canadien, mon chum, avec le gars, mon chum. Mais en passant, je sors de la douche, comme vous pouvez comprendre. Mais c'est ça. Fait que j'étais vraiment découragée. Parce que c'est ça, parce que ça marchait pas. J'essayais de. Dans le fond, j'essayais d'envoyer une preuve d'identité. J'essayais avec mon certificat de naissance, avec une déclaration d'impôt. Rien fonctionnait, genre, mais. Dans le fond, il fallait que j'envoie comme deux sortes de documents. Mais c'est parce que je suis pas une entreprise. Fait que, tu sais, ça me demandait des trucs pour une entreprise. Mais moi, je suis pas une entreprise. Fait que, comme j'essayais de comprendre à travers de qu'est-ce que je comprenais. Mais finalement, ça prend juste comme mon passeport ou mon permis de conduire et tout. Mais ça, c'est seulement quand tu as un compte personnel, genre particulier, que c'est ça qu'ils demandent. Fait que dans le fond, moi, je me suis juste comme vraiment trompée. Fait que c'est ça. Fait que j'étais un peu comme découragée aujourd'hui. J'essayais de comprendre parce que j'étais pas capable de valider mon identité juste parce que j'avais pas une entreprise, tu sais, justement. Fait que les documents qu'ils demandaient pour l'entreprise, ben j'en avais pas. Fait que j'envoyais un peu comme qu'est-ce que je pensais, puis finalement ça marchait pas, mais en tout cas. Fait que finalement, j'ai comme lu, j'ai essayé de trouver des trucs et tout. Puis finalement, j'ai trouvé qu'il y avait comme deux types de comptes, puis que je m'avais comme juste trompée de compte. Fait que là, qu'est-ce que j'ai dû faire? C'est comme changer, dans le fond, supprimer mon compte que j'avais avec Google AdSense. Puis il a fallu que je m'en crée un nouveau. Puis avec le nouveau, là en passant, je sors de la douche. Fait que j'ai comme. Ma douche était vraiment chaude. Fait que je suis comme quand même rouge, là, mais. C'est juste à cause de ça. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il a fallu que, dans le fond, que je ferme mon compte Google, puis que je m'en recrée un autre. Mais là, les revenus que j'avais faits durant le mois, parce que dans le fond, j'ai commencé à être monétisée fin décembre. Fait que tous les revenus que j'ai faits durant le mois de janvier, ben dans le fond, je l'ai tout perdu, je crois. Fait que je le vois plus, en fait. Je peux plus être monétisée. Fait que comme les derniers vlogs, je suis pas monétisée. Puis, tu sais, non, je fais pas ça pour l'argent, évidemment, vous le savez. Mais reste que quand même, avec tous les efforts que je fais, je pense que je mérite un petit revenu, tu sais, avec ça. Fait que, en tout cas, je suis sûre que vous comprenez. Fait que j'étais quand même déçue aujourd'hui de savoir que tous les revenus que j'avais faits durant le mois, j'ai travaillé fort. Tu sais, je vous ai posté des vidéos 2 jours pour pouvoir avoir le seuil de paiement, pour pouvoir commencer à avoir des sous et tout par rapport à ça. Puis finalement, ben, c'est un peu tombé à l'eau, mais bon. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je vais comme refaire le budget. On va aller écouter Big Brother pendant l'entracte de. Mais pas l'entracte, mais le. La, tu sais, le. Comment on appelle ça? Entre les games d'hockey, là. En tout cas, je me rappelle plus. On va aller écouter Big Brother, puis tout. Puis après ça, ben, c'est ça. Fait que je sais pas trop, là, qu'est-ce que. Là, il faut comme que j'attende un certain moment avant de pouvoir associer, dans le fond, mon compte YouTube avec mon nouveau compte AdSense. Fait que je vais faire ça. Ça prend comme 32 jours parce que vu que ça fait pas 32 jours que j'ai comme ouvert mon compte AdSense et YouTube dans le fond que j'ai pas de ça fait quand même pas un mois que je suis monétisée, ben je dois attendre que ça fasse 32 jours pour pouvoir changer et faire des modifications à mon compte Google AdSense. Fait que en tout cas, pour vous c'est comme pas clair là peut-être là, mais en tout cas moi ça m'a vraiment joué dans la tête aujourd'hui. J'étais vraiment découragée, puis là, en plus à la garderie, ça va pas tant bien, je veux dire tout le monde est malade. On est comme aujourd'hui on avait comme 5 enfants là, juste pour vous dire comment que on est 9 d'habitude. Fait que tout le monde est malade. Fait que là je trouve ça vraiment rushant. Je trouve qu'il y a beaucoup de négatifs ces temps-ci. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie de comme essayer de voir le beau à travers tout ça, mais j'ai vraiment la misère. Fait que c'est ça. Fait que là je vais comme aller faire le budget parce que je l'avais pas fait l'autre fois. Puis après ça je vais aller faire comme préparer mon lunch. Demain c'est vendredi. Je vais vous faire des vlogs dans le fond. Parce qu'on dirait que j'ai comme eu une remise en question. Je me disais, tu sais, est-ce que je continue les vlogs et tout? Parce que je savais pas, genre, si.
C'était tellement compliqué, tu sais, YouTube et tout. Et puis, en tout cas, j'ai comme eu une remise en question par rapport à mes vlogs. Je crois pas arrêter. En fait, je pense vraiment pas que je vais arrêter. Mais j'ai quand même besoin un peu de support, je sais pas. J'ai besoin un peu de motivation côté vlog. Fait que c'est ça. Je vais essayer de comme repenser comment je pourrais faire ça, comment je pourrais arranger ma chaîne pour que je me sente bien à travers tout ça, puis que vous aussi, vous ayez du contenu qui est le fun. Fait que dites-moi au pire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse d'avoir comme un horaire YouTube, dans le fond, que je mettrais des vlogs comme à des journées fixes. Moi, je pense que ça m'aiderait parce que un coup que mes journées sont faites, ben tu sais, c'est tout. Tandis que là, je me mets comme vraiment beaucoup de pression à essayer de vous poster le plus souvent possible, de trouver des sujets intéressants et tout, parce que j'aime ça que vous ayez comme beaucoup de vlogs de moi. Moi, je trouve ça vraiment le fun de suivre quelqu'un quand on se suit comme à travers les jours et tout. Fait que j'aimerais ça qu'on ait une bonne relation vraiment, ben, pas fusionnelle, mais en tout cas, vous comprenez. Donc, c'est ça. Fait que si jamais ça vous intéresserait d'avoir comme un petit horaire YouTube, on pourrait peut-être parler de ça dans le prochain vlog. Je vais essayer de penser à tout ça. Ouais. Fait que. Puis c'est pour ça que vous avez eu comme une couple de jours de pas beaucoup de vlogs. Puis là, ça fait comme 3-4 jours que je vous poste vraiment à tous les jours. Parce que justement, j'étais plus monétisée. Puis là, ben, je suis censée, aux journées que vous allez voir ça, que être monétisée, être recommencée à avoir des sous par rapport à ça. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire. Merci d'être là pour ceux qui sont là régulièrement. Puis pour ceux qui ne commentent. Oui. Ouais. Puis pour ceux qui ne commentent pas souvent, ben je suis vraiment curieuse. Comme j'aimerais vraiment ça que pour cette vidéo-là, que vous m'écrivez juste un petit mot d'encouragement. Parce qu'on dirait que j'ai comme vraiment de la misère ces temps-ci à avoir de la motivation par rapport à YouTube. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que merci d'avoir été là. Je pense que je vais fermer le vlog. Là, c'était pas le vlog le plus le fun, mais je trouve ça quand même important de vous en parler, de vous faire part de ça parce que je suis authentique avec vous. Je vous dis vraiment tout, mais qu'est-ce que je ressens et tout. Fait que je pense que c'est important. Fait que sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir été là, puis nous, on va se revoir, j'espère, très bientôt.